Salut, c'est Casquel et oui, il se pourrait que je sois en train de filmer euh, ma télé avec une webcam. Euh, oui, oui. N'ayant pas de, de carte euh, d'acquisition, bah, j'ai pas d'autres moyens à m'apporter là maintenant pour enregistrer ce qui se passe sur ma télé. Donc je me suis dit, on va essayer tu, avec une webcam et on verra bien ce que ça donne. Bon, euh, l'image est sûrement pas top-top, mais euh, ça devrait faire l'affaire pour le, pour le moment. Voilà. Donc, on n'est pas sur Steam, hein, vous l'aurez remarqué. On est sur Recallbox. Donc, il y a un Recallbox qui est hébergé sur un Raspberry Pi 3. Et, euh, bah, qui tourne plutôt bien, mais on n'est pas vraiment là pour faire une présentation ou quoi. Il y a déjà des tas et des tas de vidéos sur YouTube qui expliquent ce que c'est un Recallbox, ce que c'est qu'un qu Raspberry Pi. Mais là j'ai envie de vous faire un petit tuto qui va expliquer comment obtenir un rendu vraiment euh, vraiment sympa sur, euh, sur des jeux rétro, hein. ça marche mieux sur d'anciens jeux. Euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet en montrant un exemple de ce que j'aime pas trop. Euh, donc on va lancer un jeu même, on va lancer 1943 par exemple. Voilà, alors j'ai pas lancé euh, 1943 par hasard, j'ai lancé parce que je savais que c'était un shoot vertical et que donc il y aurait d'énormes bandes noires sur le côté. Puisque ce genre de jeu en bande d'arcade se trouve euh, sur un, un écran qui est euh, posé on va dire verticalement plutôt qu'horizontalement euh, comme c'est d'habitude le cas. Donc alors là on remarque que le jeu tourne bien, c'est pas le souci, l'image est pas dégueulasse. Euh, sauf peut-être sur la webcam, ouais ça je sais pas. Mais euh, voilà, donc c'est chouette. Mais je me dis bon, c'est quand même dommage ces, grandes bandes, ces grosses bandes noires sur le côté. Il y a sûrement moyen de faire quelque chose pour rendre ça euh, plus sympathique. Alors il y a deux méthodes hein, pour euh, masquer ces bandes noires. Enfin, je vais même dire trois. Il y en a une, c'est un peu con. Hein. On va y aller direct. Hop, on va aller dans euh, Settings, Vidéo. Et, au lieu de mettre Core, on va mettre, par exemple, custom, qu'est-ce qu'on peut mettre? 16.9. Voilà, on va, on n'a plus de bande noire. Voilà. Quick, oups, quick menu. Voilà, ah, on n'a plus de bande noire. <laughs> Après, c'est quand même dégueulasse, quoi. <laughs> Mais, euh, ouais, on, on joue euh, à 1943 en 16.9 sur un écran full HD. C'est pas fameux. Euh, alors non, il y a des méthodes qui permettraient donc de, de rajouter des overlays sur le côté euh, C'était où ces options là maintenant Je sais plus, setting, vidéo, on va remettre ça comme c'était Voilà, alors on pourrait rajouter euh, un overlay sur le côté euh, pour même Donc ce serait le même overlay pour tous les... Euh, tous les jeux, mais on va dire un overlay qui serait un petit peu un overlay par défaut, puisque j'ai un, une autre méthode qui permettrait de mettre euh, un overlay propre à chaque jeu. Alors, je vais, je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. La première chose, bon, on va déjà quitter le jeu. Hein. Alors, la première chose déjà, c'est d'aller voir euh, éditer les données du jeu et vérifier. On voit juste euh, la première ligne en dessous. D'éditer les données du jeu, c'est marqué 1943.zip. C'est le nom de la ROM. Il faut connaître le nom de la ROM. Euh, Notez-le, je sais pas. Bon, 1943.zip, il se trouve que c'est facile. C'est un nombre. Et moi, je vous conseille même d'aller voir le nom de la ROM directement dans votre dossier euh, des ROM. Parce que, autant que je sache, euh, Recallbox, je vais prendre un autre jeu qui a rien à voir, par exemple. Hop n'affiche pas euh, les minuscules et les majuscules et euh, ça a de l'importance autant que je sache il me semble que la dernière fois que j'avais fait ma manip ça fonctionnait pas juste à cause d'une histoire de minuscules alors que Recallbox affiche tout en, en majuscules donc euh, voilà donc première chose vérifier le nom de la ROM donc pour le coup ici c'est facile c'est 1943.zip autre chose c'est d'aller dans les options des jeux format des jeux le mettre en custom sinon vous ne pourrez pas modifier euh, les proportions de l'image, il faut désactiver euh, aussi le pixel perfect pour les mêmes raisons. Vous pouvez laisser euh, le lissage des jeux et là les shaders j'en ai mis aucun parce que j'en rajouterai un plus tard euh, manuellement. Donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien c'est qu'on va passer sur le PC. Alors voilà, là on est sur le PC, on est sur paint.net, donc c'est un logiciel de, de retouche de photos, de dessins, euh, qui est gratuit et qui est 100% légal. Alors on va pas euh, modifier l'image ni quoi que ce soit, je voulais juste vous montrer voilà l'overlay que j'ai choisi. En cherchant un peu sur Internet, ben j'ai trouvé ça et je trouve que le, le rendu est plutôt pas mal. Alors cette partie grise ici, c'est un transparent. D'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite, hein. on va utiliser mon, mon fond d'écran. Euh, et on va venir euh, l'insérer dans cette image. Donc on va aller dans édition, euh, coller euh, dans un nouveau calque. Voilà. Donc il y a un système de calque, hein, comme si, euh, comme si on était sur un Photoshop par exemple. Et on va juste inverser euh, les calques. Je vais mettre l'overlay au-dessus. Et là on remarque donc euh, ben, qu'on voit. <laughs> L'image que je viens de mettre au travers, mais ce, non seulement on remarque aussi euh, qu'il y a des hum, des rayures, des reflets sur l'écran. Si je bouge l'image, ça se voit peut-être encore mieux. Et euh, c'est le genre de résultat que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ce qu'on va faire, bon évidemment, on va pas insérer cette image, hein, c'était juste pour l'exemple, mais on va utiliser cette image là. Alors l'important, euh, non, je vais pas enregistrer. Alors il va nous falloir plusieurs choses, il va nous falloir un dossier, euh, donc, le nom de l'image, ici c'est un PNG, euh, donc, je vais la remontrer. Oui il l'a ouvert sur le, le mauvais truc. Voilà, donc c'est cette image là, je l'ai appelé donc 1943.png. C'est un PNG puisqu'il y a des effets de transparence. Euh, donc voilà, vous aurez besoin de créer deux fichiers euh, CFG. Un qui s'appelle 1943.cfg, donc toujours le nom de, de de la la Rome, et un autre qui s'appelle 1943.zip.cfg. Attention, ça a quand même son importance. Donc 1943.zip.cfg, 1943.cfg. Et autre chose, on va aller tout de suite dans euh, dans le réseau. Ma Recallbox est toujours allumée, donc je peux aller euh, dans Recallbox, dans Share. Et ici, dans Share, vous allez créer un nouveau dossier qui s'appelle Overlay, avec un S, hein, pas de faute, hein, Overlay, attention. Et euh, dans ce dossier, on va créer par exemple un dossier Meme, puisqu'ici, euh, je vais rajouter un Overlay pour Meme. Donc vous créez un dossier pour chaque machine, si vous voulez mettre des Overlays euh, à chaque jeu. Voilà, donc je rentre dans mon overlay, euh, dans mon dossier même. Et là, on voit que j'en ai déjà fait plusieurs. Hein, donc ça va être assez facile. Alors, ce qu'on fait, bah déjà, le dossier euh, 1943.png, on va le mettre dedans. Ça me paraît déjà une bonne idée. Euh... Bah, les deux autres, je vais déjà les mettre. Simplement, je vais quand même vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc je vais ouvrir le 1943.cfg, voilà. Euh, je vous mettrai ce texte euh, en, en description. Euh, en gros, ça donne juste euh, le nom ici hein, euh, du, de l'overlay. Donc il s'appelle 1943.png. Le reste, il ne faut pas le changer. Et dans l'autre, le 1943.zip.cfg, c'est très con aussi, il va indiquer euh, l'emplacement. Euh, du fichier CFG euh, qu'on vient de faire, le 1943. Donc on peut vérifier, hein, si j'ouvre le réseau, je compare les deux adresses, on voit qu'on est dans le réseau Recallbox, share, overlay, meme. Donc on a la même chose ici, Recallbox, share, overlay, meme. Et on va plus loin en disant 1943.cfg. Encore une fois, euh, je vous mettrai euh, ce texte en, en description. Et voilà. Et bien c'est tout. C'est tout pour le moment. C'était pas plus compliqué que ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur la Recall Box pour voir qu'est-ce qu'on fait ensuite. Alors, voilà. On est de retour sur la Recall Box. J'ai encore rien changé. J'ai juste rallumé la Recall box. Enfin, rallumé. Elle était déjà allumée. Donc, j'ai juste changé de chaîne. Et, euh, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là où on était. Je crois que je vais les appeler, voilà, dans Même. Et on va aller donc sur 1943. C'est quand même celui qu'on a modifié. Si je ne me trompe pas, c'était 1943.zip. On n'a pas oublié. Voilà, je le lance. Et là, déjà, on se dit. Ah Ah C'est autre chose déjà. C'est pas mal. Mais on va remarquer qu'il y a sûrement un problème. Déjà, on voit, j'ai même pas besoin de lancer le jeu. que, Je vais quand même le lancer. Les crédits sont un petit peu sur le côté, on ne les voit pas bien. Et, euh, c'est pas parfait. C'est pas encore ce que je voudrais. Mais déjà, on a plus, euh, on a plus ces bandes noires sur le côté. Donc ça, c'est chouette. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quand même mieux qu'on relance le jeu, comme ça, on a une bonne image. J'aime bien d'avoir une image qui serait plutôt blanche. Voilà, je vais faire pause maintenant. Enfin, pause, je fais hotkey et B pour revenir au menu de, de RetroArch. Et, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Settings, On Screen Display. Je ne sais pas si on voit bien, donc je, je le dis. Euh, On-Screen Overlay. Et euh, on a une option qui s'appelle Hide Overlay in Menu. Donc ça veut dire masquer l'overlay dans les menus. En temps normal, c'est plutôt bien parce que l'overlay n'a pas d'utilité dans le menu. Mais si on va en avoir besoin, histoire de pouvoir régler notre image. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, euh, ce qu'on va faire. On va. où oh, j'étais trop loin, on va aller dans les, les options vidéo. Et on va le mettre en custom. Custom qui va donc nous permettre de faire un petit peu ce qu'on veut. Et on va commencer par aligner euh, l'axe X. Donc on se met sur custom aspect ratio X position. Et on va aligner euh, donc le X sur le côté gauche de l'écran. Euh, moi je vous conseille de faire comme ça parce qu'après on va rétrécir l'image et en réalité euh, c'est le côté gauche qui va rester fixe. Euh, donc on va écraser l'image mais sans déplacer. Euh, à gauche donc euh, enfin vous allez voir tout de suite et on va le mettre correctement alors là je ne sais pas si ça se verra bien euh, du fait que je suis avec une webcam mais voilà là ça me paraît plutôt correct maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur custom aspiration white et on va venir écraser l'image de façon maintenant à venir aligner le côté droit sur le bord de l'écran voilà et là là ça me paraît correct on est juste à la limite de l'écran. Maintenant, on va faire la même chose pour l'axe y. Et là, on va l'aligner sur le dessus. C'est le, le dessus de l'image qui reste fixe. Donc là, ça me paraît correct. Et maintenant, on fait la même chose que tout à l'heure, mais avec l'écrasement vertical. Et on va venir écraser, euh, positionner, <laughs> écraser. positionner l'image comme il faut. Alors, on va voilà, voilà, voilà. Ça me, ça me paraît ça me paraît correct. Ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va quand même tester. Et on se dit, ah, c'est déjà mieux. C'est déjà vachement mieux. Mais ce n'est pas encore ça. On peut faire encore mieux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un shader. On va aller dans les options. Euh... Non, il faut aller dans Quick Menu. Shaders. Et là, on va aller. Euh... On pourrait chipoter directement ici et mettre notre shader. Moi, je trouve que c'est plus simple de passer par un preset. Donc, on fait load shader preset. Et on va chercher, il est plus bas dans la liste, il a un nom très court, donc il est assez facile à, à trouver. Moi, j'aime bien, j'ai été trop vite, euh, le euh, crtpi.glslp. Euh, voilà. Donc celui-là, il va légèrement déformer l'écran euh, pour avoir cet aspect un petit peu euh, convexe qu'avaient les écrans euh, de l'époque. Voilà, on va l'appliquer. Et il va rajouter aussi quelques scanlines. Et là, on a vraiment un aspect qui ressemble très très fort à ce qu'on avait avant. Et comme l'image est un petit peu déformée sur le côté, euh, on va peut-être pouvoir... Euh, je vais refaire continue pour qu'on voit notre barre de vie. On va peut-être pouvoir ajuster un petit peu, je vais attendre qu'on voit le ciel, on verra peut-être mieux. Hein. Voilà, je vais retourner dans les options. C'est un peu du chipotage. Hein, voilà, euh, non, j'avais dit euh, setting, vidéo. Alors, le X, bah euh... ben là, ça me paraît bien. Là, c'est bien, ok. Bah le Y il était bien, on ne peut pas faire vraiment mieux. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Et euh, bah on a vraiment un super résultat. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut